C'est ici. Il y a quelqu'un ? Bah vous voilà quand même. Ma pauvre Claire, t'as choisi ton jour, vous avez dû fondre. Dans le car surtout. Tu n'as pas changé, toi. Crois-tu? Alors, c'est toi, Louis? Hein? C'est pas possible qu'il soit déjà grand comme ça. Mais de quelle graine as-tu donc poussé, toi? Embrasse Marcel, Louis. Eh ben, t'as peur que je te mette du rouge? Louis, tu pourrais dire bonjour au moins. Non, laisse donc, on aura tout le temps de faire connaissance, hein, Louis. Bon, tu m'en veux pas, faut que je termine. Oui. Celui-là, je peux pas le laisser au soleil. C'est pour toi que je l'ai tué. Pour ton arrivée, je te mitonne un civet. Mais ça a pas l'air de te faire plaisir, t'en fais une bobinette. Je crois surtout qu'il est un peu impressionné à cause du... Ah, c'est vrai que c'est un petit parisien. Et Jeanne Lapin, t'as pas dû voir souvent comment lui retire le pyjama, hein. Qu'est-ce que tu veux? On fait pas d'omelette sans casser d'œufs. T'aimes ça, les œufs? Ah, il adore ça, hein. Ah ben, Lapin, c'est pareil, il saute pas tout seul dans la casserole. Voilà, ça va être à nous. Ça, c'est le petit coin. Ça te dit? Tu n'as pas envie, Louis? Non, j'ai pas envie. C'est bien ton fils. Tu serais tortillé pendant des heures plutôt que d'aller dans les cabinets de la pension. J'allais dans les massifs, derrière la chapelle. Toutes les classes de garçons pouvaient te voir.